Evelyne, Agathe m'a informé de ton départ pour le Mexique. Tu comptes abandonner ton Écosse et les esclaves de la Nouvelle-Orléans? Et ta famille, y as-tu pensé? Gérald, mon père m'envoie à Cuba pour trouver de nouveaux fournisseurs et j'ai toute confiance en toi pour gérer les affaires en mon absence. Je dois traquer notre ennemi. Et quand avais-tu l'intention de m'en parler? Je ne voulais pas que tu essaies de me retenir. Est-ce tout ce que tu vois en moi? Des contraintes? Des ordres? Aveline, je tiens à toi. Ne te fâche pas, Gérald. Nos sentiments peuvent interférer avec notre mission. Je voulais juste éviter... Je sais que tu ne changeras pas d'avis. Mais puis-je au moins t'aider avant ton départ? Eh bien, j'ai un plan pour monter à bord. Les esclaves en partance pour le Mexique sont retenus dans une enceinte non loin d'ici. Tu pourras embarquer en te mêlant à eux. Mais je ne pourrai pas prendre mes armes. Comment te défendras-tu? Oui, je sais. Question idiote. Je les garderai jusqu'à ton retour. Merci, Gérald. Tu es un véritable ami.
Mes amis, je vous promets une vie de liberté, de productivité et de paix. Oubliez les fouets et les chaînes. Ici, vous bâtirez votre propre communauté. Et grâce à votre travail, nous prospérerons tous ensemble. Bonjour. Quelle joie de pouvoir partager cette nouvelle vie avec une de mes sœurs. Mais pourquoi es-tu ici? N'étais-tu pas déjà libre? Quand j'ai appris ce qui vous arrivait, j'ai eu envie de le voir de mes propres yeux. Ce qu'on dit est donc vrai? Votre communauté prospère? Plus encore, nos foyers sont confortables et la nourriture ne manque pas. C'est un vrai paradis. Recevez-vous un bon salaire? Nous sommes autorisés à participer à la vie de la communauté. Chacun du mieux qu'il le peut. C'est le seul salaire dont nous avons besoin. Ces terres appartiennent à la communauté? Un jour, sans doute, lorsque nous aurons acquitté nos contrats. Ces terres ont une grande valeur. Cela prendra du temps, mais ça en vaut la peine. Et si vous décidez de partir? Ça n'est jamais arrivé. Qui voudrait quitter cet Éden? Personne n'est jamais parti. Chut! Tu ne devrais pas dire ça. Personne ne pense comme ça ici. Nous sommes très heureux. Il n'y a pas de place pour les pessimistes et les fauteurs de troubles. Je suis vraiment heureuse de t'avoir revue. Bonne journée. Elles le sont toutes. Nous aurons tout le temps de parler plus tard. Rejoignez les danseurs, c'est jour de fête! Mademoiselle, auriez-vous envie de goûter mon excellente bière ou du tabac, peut-être? Je vous fais un prix d'amis. Non, merci. Oh. Et en avez-vous à vendre par hasard? Désolée. Oubliez que vous m'avez rencontré. Bienvenue. Merci bien. Quelle est ta spécialité? Le nettoyage? La couture? La cuisine, peut-être? Disons la chasse. Voilà qui est peu courant. Mais tu ne seras pas seul ici. Le chef du site de fouille est aussi une femme.
Si tu t'entends bien avec elle, tu trouveras vite ta place. De toute façon, tout le monde se plaît ici. La force de chacun fait la force de tous. Fantastique. Il y a toutes sortes de matériaux par ici. Je peux peut-être trouver de quoi fabriquer des armes pour être prête quand le moment viendra.
Un peu rudimentaire, mais c'est mieux que rien.
Tout à fait. Vous avez raison. L'agent de la compagnie est déjà bien assez mécontent. Il nous faut plus de bras. Plus de bras? Nous avons déjà épuisé la main-d'œuvre locale. Je vous ai amené des travailleurs de partout, de Cuba jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Et ce, dans le plus grand secret. Savez-vous à quel point cela a été difficile et onéreux? Soyez patient. Vasquez prendra bientôt ses fonctions à la Nouvelle-Orléans. Il réussira là où Baptiste a échoué. Voici l'homme dont je vous ai parlé plus tôt. Que devons-nous faire de lui? Faites-lui prendre conscience de son erreur. Tu ne pensais tout de même pas que nous allions te laisser rompre ton contrat et t'enfuir avec tous nos secrets? Merci. D'où sors-tu? Je n'ai rien vu venir. C'est sans importance. Où comptes-tu aller? À la Nouvelle-Orléans? Je peux trouver du travail. Ah. Et après? J'appartiens au peuple fond. Je vais retourner en Afrique. Votre pendentif, il est très étrange. J'en ai déjà vu un semblable, mais je le croyais unique. Il est unique. Ma mère l'a fait de ses propres mains. Tu dois te tromper. Non. La femme qui le portait s'appelait Jeanne. C'était l'une des premières ouvrières à venir ici. J'avais beaucoup d'affection pour elle. Jeanne? Mais c'était le nom de ma mère. Où est cette femme? Je dois la voir. Je l'ignore. Elle vivait seule dans une maison située au sud du camp.
Tu dois partir. Deferrer va envoyer ses hommes à tes trousses. Tu pourras t'en sortir seul? Oui. Je resterai caché jusqu'à la relève de la garde au coucher du soleil. Puis j'essaierai de m'enfuir. Cette fois, ils ne m'auront pas. Bonne chance! Je le reconnais. Il appartenait à ma mère. Ça pourrait être les siens. Laisse-moi te montrer la version complète. Voici la version non censurée. Laisse-moi t'aider à faire connaître la vérité. Laisse-moi t'aider à faire connaître la vérité. On ne peut leur faire confiance. Laisse-moi te montrer la version complète. Thank you.
Laisse-moi te montrer la version complète. Voici la version non censurée.
Veuillez excuser mon retard, Seigneur. J'ai dû envoyer des gardes à la poursuite d'un nouveau fuyard. Le troisième cette semaine, c'est cela? Il n'attend plus que vous. Je sais que vous aimez régler ce genre de problème vous-même. Toujours si prévenant. Je pense qu'une pendaison serait tout indiquée. Avez-vous eu le temps d'étudier ma proposition? De frelater la bière des ouvriers? Cela n'a-t-il pas eu des résultats mitigés par le passé? Vous avez peut-être raison. Je ne tiens pas à ce que le fiasco de Macandal se reproduise. L'archéologie est un art raffiné, délicat. Je préférerais quelque chose qui n'affecte pas le travail des ouvriers. Organisons plutôt une nouvelle fête, un festin. Annonçons-leur qu'ils sont sur le point de racheter leur terre. Bien entendu, vous avez raison. L'agent de la compagnie est déjà bien assez mécontent.
Je devrais vraiment te remercier. Tu élimines ceux dont le rang m'est supérieur. En plus, tu retrouves les fragments du disque de la prophétie. Si nous n'étions pas ennemis, je te compterais parmi mes amis. À en juger par l'aide que tu m'apportes, nous devons chercher la même chose. Ah!
Thank you.
Aveline ? Maman ? C'est impossible. Je t'ai confié à Madeleine pour que tu sois en sécurité. Ainsi que mon amour. Quel cruel destin t'amène ici. Et tu portes la lame de l'ennemi. Ne me dis pas que je croyais que tu étais morte. Tu dois comprendre. Il m'aurait tuée. Ainsi que ton père. Jamais je n'ai voulu vous quitter. Alors c'est ça. Agathe t'a envoyé ici pour me tuer. Par pitié, dis-moi que tu ne me hais pas à ce point. Je ne t'aurais pas laissé. Te tuer ? Non, je suis ici de mon plein gré. Aveline, le disque ne doit pas tomber entre les mains d'Agathe. Si jamais il obtenait, tout ce que j'ai voulu protéger depuis mon départ de la Nouvelle-Orléans serait définitivement détruit. Depuis quand le connais-tu ? Et pourquoi as-tu si peur ? Il y a longtemps. Non. Je suis désolée, Aveline. J'espère que tu me pardonneras un jour. Maman ! Aveline, c'est impossible, je... Gérald, on dirait que tu viens de voir un fantôme. J'ai quitté Chichen Itza dès que l'ordre y a été rétabli. Tu as donc réussi ta mission. Déferrer ne nous posera plus de problème. J'imagine que l'histoire ne s'arrête pas là. Comme toujours. J'ai beaucoup à te dire, moi aussi. Les Espagnols... nous sont favorables. Les nouvelles lois devraient faciliter tes efforts pour aider les esclaves. Est-ce que pour une fois, il y a davantage de bonnes nouvelles que de mauvaises ? La meilleure des nouvelles, c'est que tu sois revenu. Mais j'ai peur de devoir gâcher ton retour avec nos affaires. J'ai eu vent d'étranges événements. Des hommes en uniforme espagnol sèment la terreur dans le bayou. Encore ? Je croyais que les intérêts espagnols étaient favorables aux nôtres. Ces agissements sont d'autant plus inquiétants. Est-ce qu'ils travaillent secrètement pour... C'est ce que nous devons découvrir. J'ai une piste. Mon informateur a vu quelqu'un qui était en train de soudoyer des soldats en ville. Pour qui travaille-t-il ? Je le saurai bientôt. Aveline, tu n'oublierais pas quelque chose ? S'il te plaît, Gérald, ce n'est pas le moment. Non, je... Attends. Je voulais seulement te donner... Oh, merci. Tu m'as manqué.